Bonsoir.
Très bonne musique, mais on va la couper. Bonsoir, Grios. Bonsoir à vous. Ici votre Taverny. Et rebonsoir pour ceux qui étaient là cet après-midi sur le stream non prévu, encore une fois. Bon, demain, c'est sûr. Hein. Demain et jeudi, il n'y a pas de stream l'après-midi. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Donc, vous attendez pas à me voir. Hein. Ne vous habituez pas à me voir, de jour. Hein. C'est vraiment exceptionnel quand c'est le cas. Du moins, pendant encore quelques temps. J'espère que vous allez bien. Et vous saviez, il y avait une mise à jour qui est sortie sur Total War Warhammer. Bon, apparemment, c'est plus intéressant de faire les campagnes maintenant. Peut-être qu'on ira. Peut-être qu'on ira à l'occasion. Comment il va, Zekrios? Zekrios, t'es au rang master maintenant? C'est bien ça? Tu es maître? Tu es maître de ton destin maintenant. Nickel, tout coûte et toi. Ben ça va. Ce soir, il n'y aura pas Pyro. RM. Elle vient. Viens jouer, t'es Krios. Il va pas bien, le streamer. Le temps passe. Le temps passe et rien ne s'arrange. Vas-y, viens. Viens jouer, copain. Non, je mets le Discord aussi. Le Discord, je mets le jeu, je mets tout. Je t'attends. Mais moi, en plus, j'ai fini. Je suis arrivé un peu à la bourre aujourd'hui. Mais c'est à cause du boulot, parce qu'on a... Ils ont... Les autres, ils ont eu des emmerdes sur leur poste, ce qui a fait prendre du retard pour tout le monde, et on est parti à la bourre. Je vais juste de manger en 2-2. J'ai mangé en 5 minutes. J'ai mon ventre qui fait... Est-ce que tu veux venir sur le Discord? Va pas bien. Yes, j'attends que tu move. Vas-y, je te move. C'est bon, je t'ai move. Bonsoir. Bonsoir, Zekrios. Ah, ça fait plaisir. Ça faisait un moment qu'on avait pas joué tous les deux. Ouais, parce que les streams à 2h30, j'ai eu du mal à les tenir. Hein. Ah oui, mais c'est normal, hein, je comprends. J'ai essayé, hein, mais... Je comprends, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pour ça. En plus, cet après-midi, j'étais pas là non plus. Hein. En plus, tu tombes bien parce que j'ai Pyro qui est malade. Hein. Ah, le pauvre Pyro. Et ouais, il est tout maladou. Je vais faire comme d'habitude, j'ouvrirai la session et tout, je vais créer le lobby. Si tu veux, je crois que j'ai déjà le mien de fait, je crois. Ça sera peut-être plus simple avec moi, vu que s'il y a d'autres gens qui nous rejoignent, ils risquent très certainement Ça sera plus simple. J'ai la plupart des gens qui sont déjà là. Moi, je suis RC26. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment sur le jeu? Est-ce que tu fais des armes, des armures? J'ai fait l'arme Kurama, là, rareté 8, là. Je t'ai invité en même temps. C'est quoi le mot de passe? C'est 4903, telle Elisabeth Borne. J'ai farmé, pour me faire l'arme Kurama, là, tu sais, comme toi. C'est laquelle, l'arme Kurama? Celle que t'as fait toi, là. Enfin celle que tu jouais avant que tu joues l'arme. Ah, Kamura, oui. Ouais, Kamura, pardon, ouais. Je crois que c'était Kurama, mais non, c'est Kamura. Ça va, t'as vu, elle est simple à faire. Hein. Je l'ai fait en rareté 8, ouais. Vite à faire. Moi, je me fais. En rareté 8, j'ai mis full truc dessus, là, les gemmes ou je sais pas quoi, là, les joyaux. Là. Moi je suis en train de devenir un joueur marteau, malheureusement. Bon, t'as bien raison, si t'aimes bien, pas se priver. Hein. Du coup, je suis en train de tout recrafter. Hein. Non, bon. Cet après-midi, on a passé l'après-midi à faire des crafts dans tous les sens. Moi, je te propose de faire comme quand je fais avec Pyro, c'est-à-dire on te crafte une arme, on crafte une arme à moi, on crafte une armure à toi, un truc. Enfin, tu sais, on fait chacun un tour de rôle et comme ça, tu sais, ça nous change un petit peu des monstres et tout. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, comme tu veux. Après, moi perso, j'ai plus d'armes. Enfin, j'ai pas trop d'armes qui m'intéressent. Moi, je vais regarder. C'est comme tu veux. Hein. Moi, j'en ai à l'appel. Sinon, j'avais l'idée de faire les quêtes, enfin les expéditions où il y a des quêtes à faire, tu sais, avec les petites bulles jaunes là à côté. Là. Ah, les roquettes hein. Enfin, les roquettes. Alors, moi, les roquettes, je les ai quasiment toutes faites. Mais oui, les quêtes. Les quêtes dans les quêtes. Mais écoute,
Parce qu'en moi j'en ai pas mal à faire donc. Si tu veux, moi ça me dérange pas vu que j'ai. Ça nous empêche pas de farmer des ressources dans à l'endroit, hein, si on trouve. Après c'est pas des trucs maîtres donc est-ce que ça va pas être utile hein, mais... Ah si, moi ça m'est utile parce que du coup les. Je les ai pas toutes faites, en plus ça débloque des nouveaux movesets, des nouvelles compétences. Et... Ah bah c'est pour ça que je me tâtais à faire ça là. Je me suis dit ça peut être pas mal de les faire. Et aussi ça débloque les. Ça me débloque des compos que j'ai besoin pour me fabriquer mes milliards de marteaux. C'est un peu plus utile et agréable. Alors c'est laquelle ? Celle-là. Un petit Barrios, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, je l'ai faite cet après-midi, celle-là. J'ai mis le 19. Ah bah attends, bah, je vais en mettre une autre. Non, non, c'est bon, c'est bon, vas-y. T'inquiète, hein. T'inquiète, moi ça me va. De toute façon, c'est des compétences que je vais avoir besoin. Fait des trucs dont je risque d'avoir besoin, donc dans tous les cas. Ouais, bah c'est ça. Attends. Alors, je suis passé joueur chat maintenant. Joueur chat ? Ouais, j'ai enlevé le chien maintenant. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en vrai, j'ai vu beaucoup de gros joueurs jouer le chat. Ah bon ? Donc, je me dis, ça doit sûrement être plus fort. Bah tiens, je vais faire comme toi du coup. Bah tu sais, vu que t'as plein de. Ils ont plein de spés différentes, tu sais. Attends, ils sont guerriers, d'autres anges gardiens, guérisseurs, machin, tu vois. Et du coup, ça peut être vachement bien de. Si tu permets, j'en mets du coup aussi. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Augmente la vie maximale. Anti-paralysie, protège paralysie, protège le sommet. Touche médicale. On va mettre défense. Parce que je sais pas. Ah oui, il faut. C'est pas sur l'équipement, c'est sur. Merde. Je sais. Après, les équipements, j'ai pas encore changé, moi. Mais... Enfin, si, j'ai un peu amélioré quand même. Non, mais en plus, on peut leur changer leurs attitudes et tout. Ouais, c'est ça qui est bien. Après, le chat, j'ai pas fait ses aptitudes, j'ai juste fait ses trucs à côté. Là. Je sais pas, parce que j'en ai vu qui changeaient. Enfin, les chats qui balançaient des trucs énormes sur la tronche des ennemis. Des sortes d'armes de siège un peu. J'ai plus d'argent. J'ai tellement dépensé de. T'as pas vendu les œufs et tout que t'avais. Non, je les ai pas tous vendus encore. J'en ai vendu quelques-uns, mais pas tous. Hein. Non, bah, 2 euros, je pense. Ça peut servir. Moi j'ai tout vendu, j'ai encore j'ai quoi là ? Bah en fait j'ai 1,6 million. j'ai pas tout vendu parce que du coup je me dis on sait jamais, tu vois. Imagine que ça me demande d'utiliser des œufs pour des crafts ou quoi que ce soit, parce que des œufs il m'en reste techniquement. Ouais, ouais. Des œufs d'or j'en ai 38 encore, des œufs d'argent 5, des œufs acier cette fois, j'en ai encore quelques-uns, quoi, donc je m'inquiète pas trop, mais pour l'instant. Mais c'est quoi ? C'est les œufs d'or qui valent le plus cher, non ? Ouais, non, je crois pas. Je crois qu'il y en a qui valent plus cher que ça encore. Les œufs d'or, ils sont. J'ai 1000, 10 000, et les œufs d'or, c'est 20 000. Mais il me semblait qu'il y avait un truc qui valait encore plus cher aussi. Ouais, il me semble aussi, hein. Je crois que j'en avais vendu qui valait 1 million, je crois. Ou même peut-être pas 1 million, mais. Mais cher, hein. Moi, au tout début, j'en ai vendu qui valait cher. Moi, ouais, je l'ai vendu. Bref, je suis prêt, moi. Je suis très content de jouer avec toi. Moi, je suis très content aussi, ça faisait longtemps. Ouais. Du coup, je vais pouvoir te montrer toute ma collection de marteaux. Je vais montrer c'est qui le plus fort, maintenant. C'est qui a le plus gros marteau ? Donc du coup, je me permets de vous le rappeler, le temps que Zekrios, Mugiwara Shanks le Roux, lance la quête, le mercredi 29, on fera le stream des 1000 followers, et il y aura de nombreux jeux à gagner. Il y aura peut-être même Monster Hunter à gagner. Rien n'est sûr, bon ça c'est pas sûr encore. J'ai déjà acheté... Ah putain, je voulais me déplacer, mais je peux pas... J'ai plus mon chien.
Ah ouais, du coup, oui, tu peux plus. Du coup, t'es obligé d'utiliser les campements et tout. Oh, C'est un peu ça qui est terrible. un peu chiant, mais en vrai. Après, ça a testé, moi, je sais que. Moi, je jouais avec des. J'ai des mecs qui m'ont pas mal aidé tout à l'heure, qui étaient RC6... RC700 et des poussières. Ah bah moi j'en ai un cet après-midi qui est venu 999, le max, sur les deux. Ouais, ça m'étonne pas. Et je me dis que si des mecs aussi haut niveau. Attends, j'ai pas refilmé le truc. Si des mecs aussi haut jouent le chat, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais c'est vrai que j'en ai vu plusieurs le faire. Hein. En fait, le chien, à part. Voilà, à part. Le Il va déplacement. t'aider à aller plus vite, en vrai, il est pas si utile parce qu'il fait pas de compétences ni rien. Alors que les chats, ils font des compétences, ils peuvent te soigner, ils peuvent faire plein de trucs, tu vois. Donc, Ouais. Bah, comme dans World, en fait. Et toi, t'avais pas joué à World, hein? Non, moi c'est mon premier. Bon. Oh putain, je suis étourdi. Non! Courage, fuyons! Je sais que moi, ça fait quelques Merde! jours que j'avais pas rejoué là. Je suis Au tombé début, sur. c'était compliqué. Hein. Je suis tombé sur l'autre monstre. Ah merde. Ne me mange pas! J'ai voulu sauter de la falaise pour me sauver du Zinogre. Ah, World, tu l'avais pas fait, hein, tu veux venir? Non, non. Bah, tu World, t'avais pas les chinettes avec les chats. Ouais, bah, je sais que. Enfin, si, en vrai, j'y avais joué. Mais tu sais, j'ai joué une fois, c'était pendant que le jeu il était gratuit un week-end ou un truc comme ça, quoi. D'accord. Donc, j'avais pas énormément joué, en vrai. Et il t'avait pas accroché, du coup? Bah, non, parce qu'en fait, ça me paraissait vraiment très compliqué avec tout ce qu'il y avait à faire, les. Voilà, bah typiquement dans celui-là t'as quand même beaucoup de trucs à faire hein. Ah mais t'as vu les choses les palicots machin là. Les choses ça vient, t'es pas obligé de tout faire, ça vient au fur et à mesure. Hein. C'est un coup Oui, tu fais un en coup. vrai, c'est surtout l'interface je trouve qui me bloquait un peu au début parce qu'en vrai l'interface est vraiment dégueulasse. Hein. Enfin l'interface surtout pour crafter les armes, pour gérer tes animaux, machin, tu vois. Ouais. L'interface en combat ça va, elle est clean. Mais... Quand t'es là, tu veux créer une arme, tu comprends pas ce qu'il faut faire, comment tu fais pour créer pour c'est vrai faire une arme. C'est vrai qu'il faut s'accrocher. T'as vu que du coup tu pouvais te faire une liste de souhaits pour tes armes. Non, ouais, mais j'ai pas compris à quoi ça. Enfin, si ça, je sais pas à quoi ça sert ça. La liste de souhaits j'ai en fait, c'est ben, par ça. exemple C'est quand mon tu veux. Panico qui me bluffe autant. C'est quand tu veux faire une arme, si tu marques la liste de souhaits, ben, tu peux t'y rendre directement pendant les quêtes et regarder quels sont les matériaux qui te manquent. Hein. Ah, c'est cool ça. T'as vu la grosse ah ouais, tatane que je lui ai mis? Bonne info ça. Ouais. Bon, ça va mieux depuis que tu t'es fait l'insectoglave. Hein. Ouais, ça va bien. Faudra non, aussi. Même avec l'ancien ça allait parce que c'était le glaive du début là. Ouais. Quand là j'étais à plus de 200 d'attaque donc ça allait, tu vois. C'est juste qu'en fait sur l'autre tu peux pas mettre de trucs là, les joyaux et tout. Oui. Forcément. Et tu t'es craft une armure ou pas aussi? Non, je suis encore avec mon armure qui était donnée là, dans le DLC, enfin avec Sunbreak. Ça, tu vas en avoir besoin, même si c'est l'armure de Maï, parce que moi, parce que l'armure que j'ai, c'est l'armure de Maï. Hein. Bah, tu sais que l'armure qu'ils m'ont donnée, elle donne 72. Hein. Bah, l'armure de Maï, c'est 80, je crois. Ouais, c'est ça, donc en vrai, ça reste encore ok pour l'instant. Et même moi, l'armure de Maï, c'est que j'ai arrêté de jouer comme un bourrin et j'ai utilisé, tu sais, les espèces de... Les colis ou je sais pas quoi là, les phases ou les phrases, je sais plus comment les tu sphères. Je sais pas ce que c'est. Dans ton équipement, tu sais, tu peux mettre un espèce de bracelet ou je sais pas quoi, ça t'augmente ton attaque, ton endurance, machin. C'est les sphères d'armure ça, non? Non, même pas, c'est un truc, je crois que ça existait pas dans World, je crois que ça existait dans Rise. Je sais pas ça. On verra quand on sera au camp, je te dirai ce que c'est. À les talismans. Non, même pas, c'est pas les talismans, c'est encore un autre truc. Ah putain, il faut que je te donne une astuce aussi. Hein. Je te la donnerai après la quête. Hein. Parce que tu peux porter sur toi. Oh putain, il m'a encore étourdi ce con là. Je vais essayer de prendre le focus. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, parfait.
En fait, tu peux t'équiper d'une amulette du démon, je sais plus comment ça s'appelle comme ça. Ouais, bah c'est ça. Ah, c'est ça. L'amulette du démon. Là. Et tu l'as en deux versions. Moi, je jouais. Bah, y en a quatre, je crois, différentes. Oui, t'as la griffe, t'as l'amulette. Moi, de base, je jouais vraiment celle que pour faire du DPS. Là. Mais tu peux. Je suis passé dans une où il me donne un peu plus d'enjeu et un peu plus de vie. Donc, Parce que... Ah non, ah, ça, c'est les. Tu parles des fleurlets plutôt, non? Ouais, c'est ça, fleurlets. Alors, moi, j'ai une autre astuce à te donner. Moi de base je jouais celui-là qui vraiment qui faisait full dégâts mais de base. En fait tu peux mettre un truc, tu peux mettre juste dans ton inventaire qui sont je sais pas si tu vois sur le stream. Attends. Ouais. En même temps. Tu vois là ce que j'ai sur le stream. Tu vois, ouais. J'ai amulette de défense. Amulette de force. Ah bah c'est ça que le mec il utilisait tout à l'heure dans la game, en mode ça te met des bonus. Oui, et en fait t'as juste à les avoir sur toi, ça n'utilise pas, hein. T'as juste à les avoir sur toi. Tu peux en mettre un de chaque, et alors ça coûte un peu d'argent, mais l'argent on en a. Et en fait c'est passivement ça t'augmente des certaines stats. Hein. Ah parce que je sais que tout à l'heure dans une game, il y avait un mec qui jouait, et en fait au début de la game il balançait des collectibles, enfin des consommables. Genre ça augmentait l'attaque et la défense de tout le monde. Alors ça c'est autre chose encore. Je sais plus c'est quoi. Je me souviens ça c'est de la poudre. Ouais c'est ça, je voyais poudre. Alors ça c'est encore, encore différent parce que ça les amulettes et tout c'est que pour toi. Et passivement ça t'augmente ton attaque et ta défense. Hein. Mais je te le montrerai après. Et il faut juste l'avoir dans l'inventaire. En fait tu le mets une fois et tu touches plus et basta. Je sais que j'en avais acheté une en plus hein, d'amulettes et tout. Je les avais achetées parce que j'avais vu c'est le marchand. Ouais. Je me suis dit tiens ils vendent des trucs giga chers, ça doit servir à quelque chose. C'est ça, mais bah, en fait ces amulettes du coup. Tu dois. Tomber en bas, donc, ouais. Tu dois juste les. Tu peux en équiper qu'une seule de chaque type, de défense et d'attaque. Et avec tu peux fabriquer des griffes qui ont les mêmes effets que les amulettes mais un peu puissants. Et du coup tu peux équiper une griffe d'attaque, une amulette d'attaque, une griffe de défense et une amulette de défense. Ok, c'est chill. Et je te dis, tu le mets une fois sur toi et après tu touches plus. Non, je sais même pas. Et en fait pour faire les griffes, il te faut deux compos, il te faut une amulette et un autre truc. Mais je crois que c'est très simple à voir. Oh, on est pas mal occupé. Il y a toujours de la place. Bonsoir Marco. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que tu vas bien Marco. Bouh, bouh, tu m'as fait peur. Même ce Zidogre. Mais oui, même ce Zidogre ne m'a pas fait autant peur que toi. Comment vas-tu, Marco? Attends, j'essaie d'envoyer le SO d'une seule main parce que le Zinogre il est un petit peu énervé. Voilà, c'est bon, ça a envoyé. Le SO est en route. On n'est pas très nombreux ce soir. J'y vois mal de loin. En même temps, j'ai stream cet après-midi aussi comme un gros sac. Ça va plutôt bien. Et toi, mon taf? Mais ça va bien, moi aussi. C'est son verre bleu là. Il était sur Assassin's Creed Valhalla. Ouais, c'est vrai, c'est Valhalla, ouais. Je pars que toi aussi, ça va. Je crois que c'était Black Flag au début. Merci d'avoir envoyé tes alcoolos dans ma charmante demeure. Et j'en profite, encore une fois. La semaine prochaine, on fête les 1000 followers sur la chaîne. J'ai hâte. Et on va faire. Yes! On fait les 1000 followers. Tiens, ta gueule! Ils vont peut-être se taper dessus. Hein. Ah. Moi, j'étais au milieu. Et du coup, on va faire une petite soirée. Ouais, c'est bon. Une petite soirée découverte au Bloodborne. Où on va faire gagner plein de jeux tout le long de la soirée. Voilà, ça va. Ouais, il y aura pas mal de jeux à gagner. Vivement. J'envoie des gens de qualité chez quelqu'un de qualité, écoute, mais je vois ça. Et je les prends avec plaisir. J'accepte ton offrande avec plaisir. Yeah. Est-ce que tu veux le capturer ou on le tue? C'est comme tu veux, moi je m'en fous. Parce
Si j'ai un piège. J'ai un piège de fausse. Je suis en train de lui mettre sa race, con. Faut encore le taper un peu. Ah non, c'est bon. Et voilà. Et en plus, on a directement l'autre à portée. Si ça, c'est pas beau. Ah, mais du coup, je crois que. Ah non. Si c'est bon, c'est bon. Parfait, il m'en fallait en plus des griffes de Zinogre. Et voilà. Par contre, j'ai pas de piège pour l'autre. J'en ai un, moi. Merci beaucoup, Marco, une nouvelle fois. Tu veux venir avec nous ou pas, d'ailleurs? Ou tu vas aller faire dodo? Si tu veux venir avec nous, ça va être grand plaisir que je te prends. Oh, le petit Marco. Petit Marco sauvage, là. J'étais sur son stream, le coup. Ah bah oui, on te l'avait dit. Après, peut-être qu'il a envie de se reposer, mais si t'as envie de venir, avec plaisir. Je vais faire cuire des pâtes, je crève la dalle. Eh ben, mange. Va manger. Mange donc. Oh, ça me fait bizarre de pas avoir le chien. Ah oui, putain, c'est lui. Mais oui, il est stylé. Bon, il a un peu chiant avec ses bubules là, mais. Mais il y a l'autre en plus. C'est mes bubules. Champi par Elysée. Allez, chevauche-le, enculé. Voilà. Coucou. On en profite, on le tabasse. Oh, le marteau, quel plaisir. Oh, j'ai tapé le mauvais. Ah, il s'est mis au milieu. Merde, je l'ai retourné aussi. J'ai tapé le mauvais. Et du coup, il n'est pas très content. Oups. Ça va, il se bat. Qu'est-ce qu'il fait, chef? On va voir ce qu'il prend dans la bouche. Ah ouais. Ah, mais le marteau, une fois que t'arrives à bien choper les têtes des monstres, regarde, il arrive plus à tenir. Hein. En plus, je joue c'est un marteau électrique, donc contre lui, il est très efficace. Hein. Quand j'arrive à lui placer les 3 coups, je lui fais quasiment du 700 dégâts. 2, 3. Oh, comment on est rentré dans le jeu. Et tirer cette auglève rare T8, fait plaisir. Non. Ah, bah pour l'expert, c'est de suite beaucoup plus facile. Hein. C'est con parce que le mec qui jouait cet après-midi, qui était niveau 700, il jouait un secteur auglève aussi. J'aurais dû lui demander 2-3 conseils. En plus, c'était un français, j'ai dit putain, là-bas, pour la première fois que je croise un français. Oh, bah d'accord. Oh, bah je me suis fait one shot. Ce qui m'a mis. Il t'a vu, il t'a fait prout. Hein. Voilà, c'est ça, il m'a sauté dessus, il m'a tué l'instant. Des pattes, toujours des pattes. Ça va, c'est une quête, on s'en fout un peu. Mais... Après, ce truc qui est dommage, c'est qu'on, quand on meurt, on perd des récompenses. Ouais, tu perds des récompenses, ouais, c'est ça. Et moi, j'aime les récompenses. Qui n'aime pas les récompenses? Oh putain, il m'a craché dessus. Et il m'a fait rap, comme la main. Mais il est où mon petit chat? Je le vois pas. Hein. Ah, si, il me suit. Oh, il se barre. Oh, je le déteste. Ouais, c'est le seul truc qui est chiant, du coup, le fait de pas avoir le chien. Hein, t'es vraiment obligé de... Oh, bah c'est ça, t'es obligé de courir, quoi. Bon, ça va, qu'il est pas allé très loin, mais... Attends, bouge pas, j'arrive. Yo. Je sais pas, un endroit où je peux trop vite passer. Allez, coucher. Parce que là, je te trouve pas. Il est en train de se dire, mais putain, il est passé où? Ah, ça va être pas. Je le tape. Putain, il est passé. Allez, coucher! Je suis en train de lui mettre la max. Ah, ça a l'air bien fort le marteau.
Bah en fait c'est, ça dépend, mais je présume que contre lui, vu que je joue, en fait c'est un marteau qui fait la foudre, donc contre lui ça doit être assez efficace. Et vu que sa tête elle est pas très difficile à chauffer, parce qu'il y a des monstres, tu sais, style Langelas, affronter au marteau, ouais. c'est un peu compliqué. Bah même moi, l'insecte glaive, j'en chie aussi parce qu'il y a que sa tête qui prend des dégâts, donc... Ouais. Et moi du coup j'ai pas trop de possibilités de me surélever avec et de le déglinguer. Il fait du drift. Je suis pas sûr que c'était prévu ça. C'est cru dans Tokyo Drift ou quoi? C'est le faire ou ça? Allez! Tu vas bien rattraper au niveau des dégâts. En quoi? Au niveau des dégâts. Mais en fait, je pense qu'en soi, je dois faire moins de dégâts que toi, mais créer plus d'opportunités en le. Ah, c'est ça. Moi, je tape beaucoup donc. Et merde. Il a tapé l'autre. Il est sorti de l'eau du coup. Je tape mais pas très fort, mais je tape beaucoup. Il est énervé là. Hein. Ouais, il est pas très content. On peut l'attraper si tu veux. Vas-y, je vais poser le petit piège. Oh, si je survis. Non, maintenant je suis con. J'ai mis un. Ah, bah t'as un mien ? Ouais, parfait. Ouais. J'ai oublié, j'ai mis les deux pièges dans mon kit. Ouais, moi aussi je le fais toujours. J'avais oublié du coup que j'avais fait ça. Le kit de base du chasseur, toujours des pièges. C'est ça. Et du coup, comme ça, je vais te montrer aussi pour les amulettes. Tu sais que ouais, les talismans là, je comprends rien du tout. Le truc de craft de talismans là. Moi non plus, j'ai pas trop. Je me suis pas trop intéressé encore à ça. Allez, j'ai eu plein de gens au casino ce soir, ils m'ont obligé à travailler, tu te rends compte hein. Oh, j'ai eu ton plaque. Tu vois, puis en plus ton polico il te ramène des trucs en plus, tu vois. Ouais. Non, je pense que le polico ça rend beaucoup mieux. Putain, deux plaques. Tu te fais chier quoi. Oh la moule hein. Tu vois, de moi, suite. J'en ai eu une, ça va. Tu vois, de suite, y'a pas Pyro, on a des récompenses, c'est fou. Hein. Ouais, c'est lui qui nous vole tout. Bah oui, il nous pique notre chance. J'ai Marco pour ton le travail. Il m'en veut de notre travail. Ah, du coup, j'en ai assez pour faire. Du coup, pour les amulettes, il faut que tu les prennes. Je te vois même pas. Ah, non, t'es dans l'autre. T'inquiète, j'arrive, je suis dans l'autre camp. Moi, je sais pas, je préfère. Non, ça me break. Là, c'est, en fait, chez lui, là, chez le petit chat. Le petit chat. À la fin, tu as l'amulette de force et l'amulette ouais, de défense. L'amulette de force et de défense. Ouais. Tu peux t'en prendre déjà une de chaque. Hein. De toute façon, je crois que j'en ai déjà eu. Non, il me semble que je les avais déjà achetées. Et après, tu t'insères dans l'artisanat, du coup. Et il y a une recette qui te demande de les utiliser, justement. Alors, normalement, elle est cachée, la recette. Enfin, du coup, tu vas pas voir. C'est la numéro 93 et 94. Il te faut une griffe d'Ibushi plus pour chacune d'entre elles. Moi je les ai pas, 93, 94. Normalement c'est grisé parce que du coup tant que tu le fabriques pas tu sais pas ce que c'est en fait. Hein. Ah oui elles sont là. C'était vraiment grisé. Oui. Les autres c'est pour ça. Mmh, c'est pour ça. Et du coup ouais. c'est griffes. Tu peux te les équiper sur toi. Et ensuite, tu peux te rééquiper les talismans. Tu peux t'en acheter un pour équiper les talismans. Les amulettes pour te les mettre sur toi. Et au final, tu auras deux amulettes dans ton inventaire et deux griffes. Et t'as plus besoin d'y toucher après. Alors, je les ai même pas fait sauter. J'ai même pas fait sauter mes Nanko. Oh là là.
Ah bah ça tombe bien, la journée, ça je dois en faire en plus. Et celle-là, je ne l'ai pas faite. Hein. Est-ce que tu saurais me dire dans quel compartiment du coffre c'est ou pas du tout? C'est là. Tu vois, c'est là. Alors je sais pas du tout, franchement. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des griffes. Là. Alors les griffes, regarde, tu les vois sur... sur mon stream. Attends, je suis en train d'émettre. Là, tu les vois normalement. Ouais, je les vois, mais... Les vois, mais ça empêche pas que je les vois pas dans l'inventaire. Après, peut-être que tu les as directement équipés sur toi. Hein. Non, j'ai vérifié, non, c'est... ça doit être dans mon inventaire, mais... Ouais. Je vais vérifier si moi j'ai pas des trucs pour fabriquer des marteaux. J'ai envie de devenir marteau. Ouais, moi aussi je me suis fait une liste de souhaits interminables. Les crocs dans le jardin, ça m'intéresse en plus. Ok, donc ça c'est bon. Et du coup, le truc qu'on parlait là, c'est comment ça s'appelle ce truc là? Les florlés, c'est ça? Oui. Bah, moi j'ai mis. Je jouais le démon de base, moi. Bah, moi j'ai mis ça, j'ai mis le démon. Ah ouais, moi je suis passé sur un truc qui me donne un peu plus d'endurance, du coup. Pour plus de violence. Parce que, mine de rien, sur Sunbreak, ils tabassent un peu fort les monstres quand même. Hein. Mais ça, tu sais pourquoi? C'est parce que du coup, on n'a pas d'armure. On n'a pas une vraie armure qui correspond. Moi, la mienne, elle me donne 70 là, actuellement, donc ça va encore. Mais en fait, je pense que c'est les résistances surtout. Je pense que ça ne peut pas donner grand chose. Mmh. Ouais, c'est ça. Elle donne un de chaque. Un de feu, un d'eau, un de foudre, un de glace. Niveau résistance, c'est pas terrible quoi. Et est-ce que j'ai des trucs spéciaux? Enfin, des trucs spéciaux, des trucs. Ah ouais, 90. La boue nutritive. Griffe de tigrex. Putain, faudrait que je me fasse un tigrex de novice. Oh non, c'est un tigrex d'expert. Sur les tigresses en novice, ça n'existe pas. Je ne crois pas. Les armures, je peux attendre un petit peu. Ah, quoique si. Putain, il faudrait que je me fasse un tigrex novice, quoi. Attends, je vais vérifier, mais je crois qu'il y en a une quête. Non, mais vas-y, on continue à faire les quêtes. Non, t'as besoin, hein. Ah non, c'est expert. Je crois en expert, il y en a un, je crois, il me semble, je l'ai vu tout à l'heure. Novice, non. Mmh. D'ailleurs, je vais juste me changer un truc. C'est pas les équipements, c'est... Les talents. Les talents de marteau, parce que j'ai pas regardé. Latéral. Oh, ce truc là de parchemin rouge et bleu, je trouve que c'est nul. Ça sert à rien, je trouve. Après, ça sûrement pour les mecs qui est fort, ça va servir, mais le fait que tu puisses changer tes talents en temps réel et tout, je trouve que ça sert pas à grand chose. Hein. Bah, il y en a qui le font, d'autres qui le font pas, je sais pas. Moi en fait, ouais, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop parce que je m'y perds encore un peu dans les talents. Attends, je regarde juste l'équipement du palico là. Est-ce que je peux lui faire un truc plus fort? Il va me spammer, ça y est. Non, ça recommence. C'est l'heure du sexe, chante. C'est comme le même. Et j'ai besoin de faire l'amour, moi. Je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Ah putain, il me tarde du coup la semaine prochaine là. Déjà découverte sur Bloodborne. Déjà ça va être bien. Bloodborne, ça va être trop bien. En plus il y a pas mal de jeux à acheter. Il y a pas mal de jeux. Le bundle n'est même plus disponible, donc j'ai réussi à le choper le dernier jour où il était là.
Il y a du... Il y a tous les Batman dedans, à voir. Il y a... deux jeux Mortal Kombat. Il y avait quoi d'autre? Ah putain, mais c'est des trucs lourds qu'il me faut. Enfin, il y avait d'autres trucs aussi. Vous verrez. Il y a, pour l'instant, j'ai 12 jeux à faire gagner. Donc, du coup, je pense que j'en ferai gagner 2 par heure. Il y en aura un qui sera gagnable via un quiz. Et le premier qui répond au quiz, il gagne. Et le deuxième, ce sera du tirage au sort, je pense. Faut juste que je me trouve un petit logiciel de tirage au sort. J'ai déjà trouvé une roue de fortune, donc ça va être bien. Oh, bon, ça, tu dois pouvoir trouver ça sur Internet. Mais si vous voulez bien répondre au quiz, c'est le moment où il faut poser des questions. Hein. Dites-vous, qu'est-ce que Tavernier dirait ? Quelles sont les questions du Tavernier ? Alors, je sais pas, ça peut être... depuis quand a été créée la chaîne ? Quel est le premier jeu du TAV ? Ce genre de truc. C'est quoi déjà ? Qu'on fait en premier ? On a l'Anjanas. Anjanas, peut-être ? Franchement, faire des glissades comme ça, moi, ça m'excite. J'aime c'est ça. Trop bien. Ah, vous, c'est des attaques spéciales avec ça. 1 km à pied, ça use. Oh, il y a un campement à côté, hein. On est des connards aussi. Ouais, mais on n'aurait pas récupéré les petits insectes. Ah oui, puis en plus, tu parlais d'Anjana tout à l'heure. Donc beaucoup, toi. Hein. T'as tombé parce que lui, j'en ai besoin en plus. Oh putain, je me mets dans le cul. Il t'a projeté carrément, toi. Mais oui, mais moi, il me projette tout. Il me projette tout le temps, ces connards. Oh, je suis où là, ça. Alors tout à l'heure, il m'est arrivé un truc mystique. Il m'a one shot en me courant dessus comme ça. Ah ouais. Ouais. Mais il tape fort, hein, déjà. Généralement, il m'a one shot. Il m'a couru dessus comme ça, puis il m'a one shot. Il tape fort. Hein. Merde. Mais laissez-moi tranquille. Coucou mon beau. Ah, tu sais quoi? Allez, c'est bon. Ma souris, moi je pars dans les airs. Je voulais me le faire au corps à corps comme un beau. Tu m'as souris. Tourbinol. Ah ouais. Tourbinol. Merde, j'ai pas repris vos potions. Oh là là, il court trop. Oh, il m'ennuie. Ah, ça c'est bien ça. Oh, il a bougé. Je vois qu'on est sur des quêtes novi, enfin expert, parce qu'il a pas beaucoup de vie. Hein. Oh, ce que je lui ai mis. Combien il a de points de vie? Il a 15600 au total. Alors qu'en maître, ils ont facilement 30 000 points de vie, tu vois. Ouais. En maître. On se fait dégringuer. C'est pour ça que moi en fait je fabrique plein d'armes là. C'est pour du coup m'adapter pour quand je commencerai vraiment les quêtes de maître. Hein. Avec des armes à... Parce que moi j'aime bien avoir des armes élémentaires de chaque type. Ah tu t'adaptes quoi. Ouais, comme ça je peux m'adapter. Putain mais l'autre il est en train de récupérer le corps pendant que moi je me tape. En plus, c'est quoi là que t'es en train de récupérer? Qui, moi? C'est un vieux mob qui est mort, hein. Non, ça là. Non, c'est même pas moi en plus. Hein. Ah, je crois que t'étais en train de le looter, c'est bon. Ah non, même pas. Pour une fois, même pas. Par contre, attends, il fait quoi mon polico là? J'ai l'impression qu'il branle rien cet enfoiré. Il fait grève, il est en RTT. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il tape pas les bons monstres. GG Roja pour ton lep.
Bon, tu n'es que voleur qui ne passera pas le premier donjon, mais t'inquiète pas. Mmh. À présent, je l'ai mal configuré, lui. Bravo, j'ai tapé dans le long, c'est génial. Et celle-là, je l'ai tapé dans le long, celle-là. On peut monter. Viens, mange-toi l'arbre. Oh, il va loin ce con. J'arrive. Tape la tête en fait. Péter la pote. Ouf. Là j'ai pu bien lui placer. Bon ça va, on s'en sort bien pour l'instant. Bon, bon c'est un expert hein. Ouais mais quand même déjà tu sais en expert les monstres ils sont un peu plus Ils sont plus curieux ça. Parce que les on a quand même des armures pas qui sont des bonnes armures pour l'expert, hein, mais qui sont pas non plus des armures de gunner. Oh bah non, de toute façon tu vois que la première armure à mettre elle donne 10 points de plus que celle-là donc déjà. Tu fais des bisous au mur. Mmh. Ouais mon bisou l'ours, je lui fais des bisous. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est chiant à affronter un Jonas. Eh tiens. Oh. Tu l'as aimé mon coup de papate. Bon, mais dans le cul. Tiens. J'ai pas aiguisé entre les deux combats. Mmh. Je le sens. Et ça se voit. Oui. Bon, si on... C'est moi, j'ai vu un tavernier tomber là. Non, c'est faux. Allez, viens là. Oh ta merde. Allez. Il est capturable. Voilà. Ouais, c'est bon. Parfait. En fait, ça met vachement de temps à s'afficher dans le jeu, quoi. Ouais, ouais. Ah bah tiens, genre, regarde. Ça faisait déjà 2-3% qu'on pouvait le capturer. Là. Ah bah salut, toi. Tu tombes bien. T'es venu bouffer ton pote. Ah, par contre, les bruits qu'il fait dans l'Alas quand il dort, là, au secours. Hein. Il fait un gros dodo. J'espère qu'il enfle pas comme ça avec sa femme, hein, parce que... Il y en a qui doit dormir sur le canapé souvent. Oh putain, je comprends parce que moi je ronfle sa mère, con. Ah ouais, je suis pareil, t'inquiète. Et moi en plus, quand j'étais petit, j'avais des problèmes de respiration. Et du coup, ça fait que même maintenant, à l'heure actuelle, j'ai toujours une narine de boucher. Ah merde. Donc ça fait que. C'est pas très pratique. Quand je dors, c'est pas pratique. Hein. Je ronfle souvent, fort, très fort. Je comprends. Moi j'ai jamais eu trop de problèmes de respiration, mais depuis gamin j'ai toujours respiré, j'ai toujours ronflé très fort. C'était pas au point de faire des opérations en étant petit et tout, hein. C'est pas. T'as un petit truc qui doit arriver souvent en vrai. Hein. C'est genre les voies nasales qui sont un peu obstruées ou un truc, tu vois, quand t'es bébé, mais c'est rien de grave. Moi je sais pas, j'ai tout essayé, tu vois, foutre des œufs dans la bouche, mettre des trucs, ça marche pas, tu vois. Salut Julius. Oh le Julius il est là. Content de te voir, comment ça va? Putain je suis en train de taper la jambe là. C'est pas le comme un con. C'est pas le bon monstre. J'imagine.
Repli, repli. Oh, il y a le tatou. Chez ta petite tatou. Il a la même ref, c'est bon ça. Hop. Ça pourrait aller mieux. Prendre l'un pour taper sur l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Julius? Une souris de Et toi? Bah moi ça va, du coup. La semaine tu pousses pas mais avec lui. Et oui. Tiens, la semaine prochaine, Julius, mercredi 29 novembre, je fais le stream spécial 1000 abonnés, pas 1000 followers. Hein. Où je ferai gagner des jeux et tout. Mon chien m'a bouffé la main. Comment ça? Comment ça, il t'a bouffé la main? En mode rigolade ou vraiment vénère? Ça, c'est parce que Julius il a trop joué avec nous. Du coup, la dernière fois qu'il avait beaucoup joué, son appartement, il avait cramé. Oups, ouais, mais genre, il t'a bouffé la main, il est pas vénère, j'espère. Hein. Il m'a montré, du coup j'avais fait un call avec lui, du coup il était sur son en train de promener son chien. Tu peux plus me masturber, il m'énerve. Il m'avait montré l'appartement dessous chez lui, genre. Ça, même à l'heure actuelle, il n'y a rien de réparé, frère, c'est toujours cramé. Ah ouais, ça prend du temps, hein, à se faire réparer ce genre de truc. Hein. Non, en vrai, c'est ça va, Julius, non? Oh, s'il dit qu'il peut plus, se masturber ironiquement, je pense qu'il a quand même bien le bouffé. Hein. Non, mais je sais pas, parce que des fois, Julius, des fois, il vanne. J'ai du mal à capter toutes les vannes de Julius. Hein. Des fois, il sort des vannes, Julius. Il te dit, rigole ou pas, vous pensez, les gars? Bienvenue dans mon auberge. Merci beaucoup, Droopy, pour ton follow. Non, non, il se barre. J'ai mis mon piège pour rien, quoi. Je poserai avec les mains. La collerette, il a emmagasiné de la frustration et il a mordu un peu fort. Ouais, bon, ça arrive. Mais bon, si ça va encore, c'est le principal. Mais genre, il t'a fait saigner ou... Je veux dire, en vrai, est-ce que tu peux toujours l'utiliser? Là, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont en train d'arriver. T'inquiète, Julie. Mais putain, je suis le rouge, je suis pas le bleu. C'est bon. Pas je vous rappelle, pour ceux qui sont en train d'arriver sur le stream, à partir de la semaine prochaine, le mercredi 29, on fera une découverte de Bloodborne pour les 1000 followers. De plus, toutes les heures, il y aura deux jeux à gagner. Donc, voilà. Il me l'a bien broyé. Par contre, faut pas laisser passer. Hein. Tu vas faire quoi, du coup, Julius? Tu vas faire un truc ou pour ton chien ou pas? Je présume que tu l'as puni, un truc comme ça. Oh, un petit rubis Racian. J'en avais pas. Ça fait plaisir. Des bisous. Julius, il le punit à coups de gros câlins. Ah ouais, ça peut arriver. Hein. Après, ça peut arriver, oui. C'est compliqué, les chiens. Parce que même si c'est le tien, il peut te bouffer. Tu vois, donc, bah oui. Même si c'est pas méchamment, tu vois. Moi, comme ils disent, mon avis, ça fait juste de la frustration, de rien pouvoir faire et tout. Après, voilà, y a pas de méchants chiens. Non, y a que des méchants maîtres. Ah, mais c'est bien, je l'ai pas fait sur non plus. Regarde, Julius, on fait des Toby. Il y en a deux en plus. C'est con, t'es pas là. Le monstre préféré de Julius. Deux pour le prix d'un. Bonne soirée à toi aussi, Julius. C'est gentil de passer. A bientôt, Julius. Bisous, Julius.
Ah, les chiens. Ah, c'est complexe. Hein. Ouais, ouais. Je sais que moi ça va, j'ai de la chance parce que le mien il a vraiment zéro agressivité. Genre. Donc ça va. Dis-toi, il a 2 ans le mois prochain là. Je l'ai, en 2 ans, je l'ai entendu aboyer 3 fois. Donc, le chien passif. Ah ouais, non, mais c'est ça, hein. Tu sais, quand je le promène et qu'il y a des chiens qui lui aboient dessus, lui il y va en mode copain, tu vois. Tu es mon ami. Non. Lui il protège la maison là. Mais si tu viens, il va te bouffer. Tu veux être mon copain? Lui se dit, moi je veux jouer là. Ouais, on est parti. Et c'est parti. Merde, il faudrait peut-être que je change de marteau là par contre. Vas-y, avance-toi, je vais juste changer de marteau. Ah, faut que je ravitaille. Parce que du coup, ce marteau, c'est pas tip-top. Mais du coup, je vais enregistrer cette saplone. Ouais, je vais utiliser la matraque de Kamula. Ouais, y en a un pas loin, ça va. Moi, j'ai même pas pris les potions. Ah ben, écoute, t'inquiète pas. T'inquiète pas, elles ont été prises. T'inquiète pas, je l'ai. Dans le doute, je les ai prises. Hein. Du. On est pas très nombreux ce soir, du coup. Oh, ça arrive. Hein. Oui. Après, j'enchaîne beaucoup de streams la nuit en ce moment aussi, donc c'est normal, et puis c'est tard. Bah, c'est ça, puis en plus en semaine. Bah oui. Je ne le sais que trop bien. Et demain, chez moi, j'ai mon propriétaire qui doit passer. On passe par une agence et pourtant on voit plus que l'agence. Hein. Parce que du coup il fait venir un plombier pour réparer une pseudo-fuite qu'on n'a pas. Oh, c'est mieux comme ça. Hein. Dis-toi que moi, mon proprio, j'avais une fuite avec mon évier. Il a mis 2 semaines à acheter le robinet. Pour qu'au final, 3 jours après, une fois qu'il a acheté, ça soit toujours pas changé et l'évier il pète. Donc, Non mais moi le mien s'il fait ça c'est parce que du coup c'est pour dans le futur hein, pour vendre la maison. Après moi Du coup c'est celui qui nous a rejoint. Bah je sais pas, pourtant j'ai lancé en mode que nous deux. T'as mis oui juste hein? Ouais j'ai juste mis oui. Je sais pas. Surtout qu'en plus pour rejoindre le lobby. Ouais, puis pour même pas venir au final. À moins que ça soit quelqu'un du stream. Et dans ce cas-là, il faut dire bonjour. Ah bon, j'ai un mec qui a rejoint ma partie. Il a été chercher des minerais dans la map. Et puis c'est barré. C'est le mec qui est juste venu pour récupérer ses ressources et il est parti quoi. Sympa. Il est vénère le topic à la Chine. Oui, il fait plus bouger là. Ouais, il était plus sage avant. Là. Merde. Vilain. Laisse-moi me soigner. Oh. Il m'a balancé son caca à la figure. Merde! Heureusement qu'il tape pas très fort. Toi, Shanks! Shanks, c'est sans moi! Utilise le haki! Ah, il se barre, ça veut pas. Oups. On veut tes potes. Après, il faut pas gaspiller. Hein. Nyon. Il y a un truc au-dessus ou pas? Je me regardais. Non, il y a rien. Mmh.
Ah, j'ai pas regardé pour mon palico. Tu pourras. Comme il a défoncé. Ah ouais, ouais, il est vénère, hein. J'ai pas souvenir qu'il était aussi. Salut Pépé. Eh, hey, salut Pépé. Est-ce que tu as vu la nouvelle, Pépé? Tiens! Les yeux, je dis en temps que j'étais en train d'exposer des rues sur un live de Layton. Mais t'inquiète, hein. Mercredi. C'était Antoine Daniel qui était dessus. Ouais, souvent Layton, là. C'est... Ouais, je crois qu'il en fait du. Ouais, je sais que je tombe souvent sur des clips de lui. qui pète un plomb sur les énigmes. Ah, moi, ça, c'est le genre de jeu que je peux pas faire, ça. Non, même moi, si, je suis pas totalement pas. Con, mais c'est. C'est un peu. C'est un peu hardcore parfois. Bah du coup, Pépé, mercredi prochain, on fera, parce que très certainement qu'on aura les 1000 followers d'ici là, ou même au cours de cette soirée-là, on fera un live découverte Bloodborne, du coup, mercredi 29, et toutes les 2 heures, il y aura des jeux à gagner sur Steam. Tiens ! Couche-moi, mes deux ! Ça va jamais. Il faut que j'arrive à les choper une bonne fois. Une fois qu'ils sont au sol une première fois, j'en profite pour continuer à les taper pour essayer de les rosten rapidement derrière. Ok. Je suis extatique. Plus je joue un Secto Glove et plus je connais des mécaniques avec. Ouais, parce que les armes elles se dévoilent. Elles se dévoilent petit à petit, les armes. Merde. En fait, j'ai mon attaque tourbillole comme ça, non ? Oh putain, il est en train de défoncer ce coup. Si je la fais pendant que l'ennemi m'attaque, genre, ça fait que je me propulse en l'air et je peux commencer un combo aérien grâce à ça. Donc c'est trop fort parce que ça m'empêche de prendre le dégât et en plus je peux lancer une attaque. Bah ouais, mais t'as plein d'armes comme ça qui font des trucs dans le genre. T'as le katana aussi qui te permet d'absorber le coup de l'ennemi tout en lui faisant un contre. C'est dur ouais, à placer. Ça, j'ai vu. Je me tâtais à passer katana pendant un moment, mais ça avait l'air vraiment compliqué ça. Bah de toute façon, c'est comme toutes les armes. Hein. Le marteau est pas très compliqué par contre, tu vois. Bah, y a un truc que je regrette un peu, c'est qu'avec l'insecto glaive, t'es beaucoup dans les airs. Ah oui, ça. Du coup, j'ai un peu de mal à changer d'arme, tu vois. Vu que je suis pas habitué à passer tout le temps au sol, tu vois. Ouais. Oh là là. Parfois, c'est un peu compliqué. On peut le capturer, lui. Hop, le petit piège. Ah non, je peux le. Attends, je le place, je le place. Il va tomber dans le mien. C'est un piège de foot que t'as mis. Non, c'est un... Ça, ouais. Hop. Il est là. Nouveau record. Il est où l'autre? Ah bah il arrive vers nous. Nickel. Alors, est-ce qu'il va venir vers nous? Ou il va rester là-haut? Faites découler la basale gueuse qui me dit. Et du coup, cette soirée, les jeux qu'on fera gagner, ça sera avec des quiz. Donc, toi, Pépé, tu seras avantagé, vu que ça fait depuis très longtemps que tu es sur la chaîne. Pour faire gagner les jeux, il y aura du tirage au sort. Et il y aura des quiz ou des trucs comme ça. Ils ont pas envie de se taper dessus, les amis. Bon, vous êtes pacifique. Oh, je me sens tellement lent sans le chien. Oh, maintenant, lui, chatonne. Attends, je vais essayer de l'attirer l'autre. Ah bon, t'inquiète, l'autre il va dessus. Hein. Ah bon, parfait. Si. J'imagine bien le bruit du moteur hélice qui se déclenche quand la base de la gueule approche. Saleté d'écureuil. Hein.
Mais il est tombé. Et allez, il retombe. Et je me balance. J'en peux suffiter pour lui faire quelques dégâts. Bichotaniscos. On entend mieux. Arrive à le taper. Toi t'es bien contre lui si tu peux le choper. T'as fini comme tu auras fini d'utiliser, tu me rends mon ancre de bateau. C'est vrai que quand ma matraque elle se déploie, ça fait très ancre. Je m'étais fait aussi la réflexion. Il est très très chiant le Toby Kadashi, j'en chie à choper sa jaune orange là, c'est sur son dos. Moi je tape la tête, c'est plus simple. Je me suis un peu chié, je voulais le faire le projeter encore et je l'ai fait. Le fait dire que je sais pas pourquoi, parfois une fois ça suffit, parfois faut mettre plusieurs coups dans les murs. Mais là je pouvais me rattraper, mais je me suis un peu chié. Ta gueule! C'est pas le premier hein. Ah mais je crois que c'est parce que lui c'est un normal. En fait on le voit pas, enfin tu le vois pas parce que t'as pas le mode. Et moi il a juste le nom Toby Kadashi tout court. Alors que l'autre tout à l'heure c'était Toby Kadashi Silver, donc argent. Comme on a vu, c'était juste il doit avoir des patterns en plus ou juste plus agressif je pense, un truc comme ça. Oh moi t'es de retour toi. Ah bah il se casse. Ah le bâtard, il est venu, il a mon papa, t'es reparti. Ça c'est les petits du quartier qui ont des grands frères. Ça. C'est ça, je reconnais. Et de toute façon mon grand frère il va te péter la gueule. C'est ça. J'ai pas pour mon grand frère, tu vas voir. Oh salon. Le Valstrax a décollé, il approche. Non, non, non. Toi, t'as pas vu ce que c'est, Valstrax hein? Moi? Ouais. Non. Moi, on m'a fait la démonstration, c'est un dragon ancien. Non, mais... C'est un dragon ancien. Comment dire? C'est une fusée. Il est capturable? Ouais, c'est vrai. Putain, la vitesse à laquelle il m'a foncé dessus, l'enflure, quoi. Ok. T'embête pas, hein. Je le capture. Nice. Putain, je me rends une seconde. C'est un avion de chasse. Mais tu l'as fait pour dans Sunbreak. En fait, c'est. Je crois que. Je sais plus qui c'est qui me l'avait montré. C'était un autre joueur. Et du coup, il m'avait donné la quête. Hein. Et autant dire que. Les mecs, ils étaient niveau 510 et quelques. Ils se sont fait one shot aussi. Ah ouais, d'accord. Bah, après, ça devait être une version améliorée plus. Mais bon. Alors, ouais. Que de la merde.
Comme trop bien. Un peu habitué. Il reste deux quêtes là-dedans. Putain, j'ai mes roquettes moi, fille. Putain. Une petite poche infernale là. Parfait. Ah, faut que j'aille parler à l'autre. Et tu, sinon, si tu veux, on peut faire la quête urgente. Hein. C'est RC30, de la quête urgente, toi. Ouais, je l'ai. Ah, bah oui. Ah, bah oui, c'est ça que j'ai débloqué. Con. Ah, ouais, bon, on va faire ça. Hop, le grand con. Je vais le faire sauter cette fois-ci. Tu sais que le RC15 il était stylé aussi, l'espèce de caméléon. Là. Ouais. Oh. Et tu sais que c'est un... Il a l'air badass lui. Tu sais que c'est un dragon ancien en plus, le caméléon. Ah oui ? Ouais. Donc tu peux pas le capturer. Okay. Oh non ! Je sais qui c'est. Il faut, je prends pas le marteau. Il a l'air stylé en tout cas. Rien qu'à l'image, en tout cas, il a l'air badass. Putain, pas lui ! mais let's go. On n'a pas le choix. Si. Non, ils sont contents. Prépare la vaseline. Ok. Je m'attends au pire. C'est un dragon ancien que tu avais sur Monster Hunter World, lui. Et autant dire qu'il est pas là pour enfiler les perles, là. Il est là pour les faire enfiler. Ah oui, trop pépé. Ok, je vois l'ambiance déjà. Je n'aime pas du tout l'affronter. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, c'est du dragon. C'est un dragon pur et dur. Alors, clair. Faut faire gaffe parce qu'il fait... S'il est comme dans World, là, il fait des tempêtes de ses morts. Si t'es dedans, tu vas ramasser. Et lui, par contre, il peut aller dans ses tempêtes et te bourrer de loin. Ça va être fun, tout ça. Oh, mon copain, c'était le dragon aussi que j'aimais le moins affronter, celui-là. Des kunai de poison, à mon avis ça doit servir ça. S'il les donne, c'est pas pour rien. Je sais pas si c'est lui qui crie. Un beau rugissement. Belle voix. Ouais, et lui il est balèze. Hein. Enfin, moi, il était sur World, il était balèze. Hein. Oh, c'est un normal. Oui. Il va peut-être un peu plus calme. Et putain, enculé, je fais le tour par la gauche. Coucou! Oh, il est trop stylé. Hein. Voilà. Il fait des fausses rodas. Fausses rodas! Oh oui, ok. Voilà. Tu as compris maintenant. Il est chiant à choper lui. Après, il doit être. Je suis déjà mort. Ok, il m'a mis deux coups, frère. Oh, ouais, je te dis. Oh mon dieu. Oh, je crois que si on se fait casser le cul, je crois qu'on va peut-être attendre. On va peut-être se faire des armes et tout, hein. Oh la vache. Ah oui, c'est du gros morceau, ça. C'est une idée. Je me suis dit, bon, il m'a mis un coup, j'ai pas besoin de me soigner, ça va. Oh, putain. Il y a encore, on a des philoptères. Avant, il était aussi vif et t'avais pas de philoptères. Oui.
ces pattes, elles prennent zéro dégâts. Et eux, pour leur faire des dégâts, le mieux c'est d'avoir des... des armes au dragon pour les affronter. Ouais. Les armes c'est à affronter les dragons. Pokémon, c'est les dragons qui sont forts contre les dragons. C'est ça. Voilà, là tu as le Vald. Il est dans toute sa splendeur, le Kushador. Hein. Pourquoi il est stylé, j'aime bien. Et là tu vois ce qu'il a autour sur lui, cette brume, ça veut dire que du coup il utilise son élément et du coup il est plus difficile à toucher et il est plus résistant. Ok. Je te connais mon gars, je t'ai déjà affronté, je sais ce que tu vaux. Il a combien de points de vie à tout hasard? 27 675. Et il en reste combien là? 24 000. On va lui enlever 13% de vie. Il est dur hein. Faut pas hésiter à retourner au camp si on a plus de potions et tout contre lui. Le souvenir, le poison grève cette. Salut Zio. Je sais plus. Voilà, okay. Il s'est barré. Il se casse. Le souvenir, le poison lui enlève cet état. Ok. Non, putain, j'ai encore fait me tromper d'endroit. Bah, lui, c'est du solide. Ça, l'air. En tout cas, il a la tête de l'emploi. Ah oui, lui, il est là pour te. Ah, pour te montrer que. Il m'a mis deux coups, il m'a tué, donc. Je me suis dit, ça devrait aller quand même. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une quête de grand maître, j'avais oublié ça. C'est une quête de grand maître là ? Bah oui, c'est la quête pour. RC30. Ah non, les RC30, c'est pas du grand maître, hein. C'est juste de l'expert. Hein. Ah ! Tiens ! Voilà ! Ah, moi aussi, j'ai sorti les flashs. Qui mine de rien il passe beaucoup de temps. Oh il y a son pote, salut frérot. Non mais mec t'es pas là au bon moment là. Mais moi s'il le tape ça me dérange pas. Merci, tu sais quoi même. Hop, je vais faire tomber l'autre. Voilà, comme ça tu peux prendre l'autre là et tabasse le avec. Ouais. Coucou! Madame Ada! Sashimuri la. Mugiwara! Mugiwara! On a les mêmes refs! Tiens! Oh, c'est beau ce que je vois là! Tu as aimé? Il a pris bien cher. Là. Pas de lâcher. Putain, ces potes, elles sont dures comme du béton, frère. Ah non, mais c'est du solide. Hein. Ah, j'ai plus de potions. Pas plus de potions gratuites. Pendant ce temps, je récupère autant de. Je suis passé à travers ces tempêtes, j'ai eu de la chance. Oh merde! Je vais pas te renvoyer une fois encore. Là. Toi aussi. Pour mettre mon flash depuis. Moi aussi, je l'attends.
Moi, je pense que par contre, ce dragon, c'est un alcoolo. Il a un gros niveau. J'ai dit, ouh, putain, j'ai failli dire la phrase à Julius, j'ai failli me faire voir. Et il a un gros nez. À pas dire dans le mauvais sens. Et allez, chacun sur nous. C'est pour le T-Rex maintenant. T-Rex. Ah bon, nickel. Je vais aiguiller le sabre un peu plus loin là. C'est pas qu'on est en zone dangereuse, mais un peu. Il n'est pas très content. Hey. Ah. Non, tu veux pas repartir en l'air, c'est bon. Ah, ça pue. Il a jamais autant transpiré que sur le couche là. Ah, je te jure, hein. Ah, il se casse. Tant mieux, marteau, j'ai du loot à récupérer. Passe en mon loot. Ah, en plus, c'est des écailles de l'autre là. Le Magnamalo. Ah, il y a du sang de dragon aussi, hein. En effet. Putain, on lui a enlevé que 55% de sa vie. Non. Ah, c'est un long combat. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il a beaucoup de points de vie, c'est qu'il est surtout très résistant. Hein. Ouais, il est bien résistant, puis il est bien actif. Et il bouge bien. Du coup, après, il me reste beaucoup de potions, j'ai pas besoin de retourner. Bah, moi, ça va aussi parce que j'utilisais les potions que moi je craft au lieu des gratos, donc. Par contre, il y a rien. Ah, si, on peut lui couper la queue à lui. Oui. J'allais dire, il y a rien à couper, mais aussi, il y a quand même sa queue. Ah merde! Vite, méga potion. Ah, relève-toi, enculé! Tiens! Voilà. Oh putain, tu m'as sauvé, je pense. Oh, même pas, il a même pas été stun. Putain, je suis dégoûté. Ma vie n'est que déception. Et du coup, j'en ai plus, moi. Putain. Des flashs? Ouais. Moi, t'inquiète, j'en ai. Oh putain, j'ai pas le temps de la mettre. Hey les gars sur le chat, on s'en sort bien quand même. Hein. Oh, je marque comme un caca au début, mais ça va quoi. Oui, mais bon. Des fois, t'as le monstre qui te chope, il te dégage. Lâche voilà. Ton arme. Là par exemple, là, je pense que tu viens de me sauver la vie en fait. Ah, bon, ça si ça servait à quelque chose, ça me va. Il recommence. J'essaie de lui taper la queue, mais c'est compliqué. Tiens, kunai. Ah, mais les kunai empoisonnés, c'est pour ça. Oui, ça doit servir à le debuff, du coup. Hein. Yes. Oh. Il lui reste 30%. Et il n'est pas capturable, là. Non.
Ok, mange-moi ça. Raté. Oh. C'est beaucoup là mon ref. Hein. Ça m'arrange parce que fallait que je m'aiguise le sabre. Ah. Hop, petite épée à l'autre camp. Ouais, pareil. Je vais ça c'est pratique. C'est de lui péter la queue. Ça, c'est pratique d'avoir tous les camps quand on n'a pas le chien particulièrement. Ouais, ouais, j'ai été chercher le camp de la jungle aussi tout à l'heure. Moi. Je sais tous aussi. Coucou. J'adore tellement leur sauter dessus. Oula. Oh, 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 ça sent la merde ça. Oh, ça sent la courage, fuyons. Fuyez pour fuir. Oh putain. Merci l'insectoglève. Merci mes jambes. Allez, renvoie-le-toi là. Je vais bientôt péter la queue. Ah. On en est où sur la queue? 117 HP. Oh oui. Moi c'est pour ça, t'inquiète, je vais le finir tranquillement. Oh putain, je voulais le choper en l'air. Mais putain! 77 là. Voilà. Moi bon, je la ramasserai après parce que lui. Moi je vais attendre qu'il s'envole là. T'as pas envie de t'envoler là? J'ai ma flèche qui t'attend depuis tout à l'heure là. C'est lui à tout moment il nous one shot hein. Ah mais c'est un catch urgente, on va pas pouvoir le capturer. Non mais de toute façon les dragons anciens tu peux pas les capturer. Ah bah oui c'est vrai, tu me l'avais déjà. Oh putain de merde. Oh de l'enchant de on en profite pour prendre sa queue. Oh le seul mon part. Après tout. Et merde. J'en ai dit fucking fly. Ah ouais, t'as bien believe là. Itadaki. Regarde pas, regarde-le à lui. C'est beau, j'ai eu sa queue. T'as lâche. Si il m'a vraiment foutu ce mot quoi. Oh, bien joué. Ah, descends, culot. Ah, il veut pas. Non, moi, je pense que tu l'avais bien foutu sur la tronche. Hein. Ah ouais, j'en ai mis deux dans le doute. Oh, vas-y. Suivant, là. Vas-y, frère. Comment ça, là? Tu fous de rien, quoi. De quoi? Tu l'as fait hier, moi. Ouais. Tiens, en stream aussi, j'étais mort de rire. Tu le fais trop bien. Ah, mais tiens, c'est une bonne idée, ça. Un son de chaîne, ça, tiens. C'est une bonne idée. Pépé, est-ce que esprit de Pépé, est-ce que tu es là? J'ai besoin de toi. Il va me répondre oui. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Ton gueule! Oh le putain de son fou de chemin! Oh non! Est-ce que tu peux me rendre un tout petit service? Est-ce que tu peux aller sur le Discord, là, en idée de stream? Est-ce que tu peux mettre Tavernier... S'il te plaît.
C'est pour un copain. Est-ce que ça te dérange? Non, copain, t'inquiète. Yes. Bam. Ouais, il a pris cher, hein. Il a pris un gros moins 400 avec l'autre, là. Il a plus que 1000 de vie, là. 600. Non. J'ai vu ma mort me foncer dessus. Ah, moi aussi j'ai eu ça. Ah, mais de toute façon, j'avais eu sur l'autre. Mais putain! Oh, comme il me met cher! Je vais mourir. Oh, il m'a chopé à l'air, il m'a fait une reprise de volée à la. Comment il s'appelle, au footballeur. Il y en a plein. Cristiano Ronaldo. Je sais pas pourquoi j'aime pas Ronaldo. Là. Ouais, il m'a pas mort, il a plus de 50 HP. Bravo! T'as vu qui chiale, ouais, parfait. Merci beaucoup, Pépé. Hein. Sinon, je vais oublier. Mais c'est une trop bonne idée. Enfin, si je le fais demain alors qu'il y a, il y a la tavernière, elle va se moquer de moi encore. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais blibliblibliou? Et tu peux les dépecer, je crois. Oui, parce qu'en fait, des dragons anciens, vu que tu peux pas les capturer, je crois que t'as un dépeçage en plus. Hein. Ouais, j'ai un truc en plus. D'habitude, c'est 3 là. Merci, Dieu. Ouais. C'est vraiment stylé. Bon, il est un peu plus stylé quand il en vit, mais. Moi, je l'aime mais pas trop, le couchalin. Oh, moi, j'aime bien les dragons. Je le trouve tellement typique dans son dans sa façon d'être un dragon. Ouais, c'est ça, par contre, c'est vraiment juste un dragon glace, quoi. Toi, tandis que le chameleon, il m'a vendu du rêve. Hein. Baptiste, ton ami Valtrax. Mais j'ai pas le Valtrax. Moi, ouais, j'ai bien aimé aussi le caméléon. Ouais, moi, j'ai vachement aimé le coup qui se rend invisible et tout, un peu. C'est vachement stylé. Il était pas dans World, lui. Non, il était pas dans World, celui-là. Moi, je n'en ai pas le souvenir. Petit joyeux Lazurite. Pas mal. Une kikiki kuka. Ah, t'es RC32, je suis RC31. Cet après-midi, je me suis moqué de Pierrot parce que c'était l'inverse, mais c'est pas normal. Tu vas passer 32 en rendant la quête, je pense ici. Ah ben oui, c'est vrai. Je suis con. Ah mais du coup je risque d'être plus. Excuse-moi noob. Comment ça 40 d'un coup hein. En fait du coup ils m'ont expliqué cet après-midi. Ah, t'as fait plein de quêtes, non? Ouais. Enfin t'as fait des quêtes. Ouais bon, c'est normal du coup. Si t'as fait c'est des qui le prochain avec... Moi je sais qui c'est le prochain, je te dirai pas qui c'est. Tu parles. Oh non c'est putain. Oh, j'espérais qu'il revienne pas celui-là. Tu veux que je te dise qui c'est ou pas? Non, bah j'ai eu. Hein. Je connais pas, mais. Alors dis-toi que Théostra, c'est comme le roi lion, mais en plus vénère. Hein. Oh, ça va me plaire. Hein. Et il y a le Théostra, et plus tard, il est tout rouge, c'est un lion rouge, mais. Mais vraiment une sale race de lion. Et que j'aimais bizarrement pas affronter non plus. Et après, il y a sa femme. Très certainement qu'on aura plus tard la Lunastra. C'est... Mmh. Et souvent, la Lunastra, quand tu l'affrontes, elle va gueuler et il y aura le Théostra qui viendra. Un maximum de plaisir. Mmh. Théostra, le petit supernova. Oui, parce qu'il balance des supernovas. Ça aurait du jackpot. Le Narcagouga Céline, lui aussi, était cool à se mettre invisible. Mais il y est dans celui-là ou pas?
et mon marteau. Est-ce que j'ai la possibilité de faire du nouveau marteau? Non. Oui. Non. Oh là là, il faudrait que je fasse des trucs en novice et tout. Oh là, ça me saoule. Il y en a trop. Il y en a trop. Pourquoi ils m'en ont mis autant? Moi, je sais plus lequel prendre. Moi, je les veux tous. D'ailleurs, la morphoage, peut-être que j'ai un moyen que j'en fabrique. Ah, je pourrais améliorer la hache roulante. Hein. Je pourrais carrément la mettre à... Ah oh oui, c'est un peu drôle. T'as débloqué le pierre d'après, du coup, toi. Oui. Oh, j'ai plus d'argent. C'est inutile, je sais pas. On verra. Bon, j'ai sans doute utilisé tous les composants que je vais avoir pour le marteau, mais tant pis! Je pourrais faire ça. Mais non. Non, ce serait honteux. J'ai dit d'abord le marteau. Oh, le rajang. C'est dommage, je peux pas le faire. Oh, j'ai pas assez d'argent. Attendez. Où est le vendeur? T'as les œufs? Oui, ouais, j'ai les œufs. Heureusement. Hein. Ils sont où ces cons de neuf là? Mon neuf! Ils sont là. Bon, allez, je craque. Hein. Allez hop, j'ai tout rendu. J'ai raison, craque. Voilà, j'ai 1 million en nouveau. Parce aussi, il faut que je me fabrique quelques morphoaches si je veux pouvoir naviguer d'un truc à un autre. Mais pas l'Anjanas. Hein. L'Anjanas, c'est pour le marteau. J'ai rien d'autre à faire. J'arrive, hein. Non, t'inquiète. Hein. Prends ton temps, je suis en train de regarder aussi. Moi. Putain, je pourrais directement me faire ça. Minerai de saphir, os rigide. Hein. D'accord, ça doit être du maître ça. Là, je veux me le mettre dans ma liste de souhaits. Ça fera qu'un truc de plus. J'ai 2 pages de liste de souhaits. Penses-tu que j'ai un problème? Bon. Tout va bien. C'est qui du coup que on doit se faire déjà? Ah, c'est eux. Attends, je vais prendre mon marteau. Là. Et mon marteau. Équipement changé. Broyeur ultime X. Non. Après, vous me direz des haches, j'en ai plein. Et pas en rareté 8. En rareté 8, j'en ai que 2. C'est déjà ça. Mais c'est pareil, des marteaux, j'en ai qu'un en rareté 8. Ça passe vite sur Monster Hunter. Hein. Ouais, puis c'est des petites quêtes qui sont assez faciles. Donc... Merde, j'ai pas mangé. T'as pas de morpho type dragon? Mais la morpho qu'on a fabriquée, c'est type dragon, du coup, justement. Mais j'ai pas d'armes niveau 8. Après, c'est aussi parce que je farm beaucoup les armes niveau... Niveau expert là. Donc c'est normal aussi. Hein. Ah oui, putain, c'est l'autre qui brasse moi. Fais la victime qui brasse. Il m'a vu, il est pas content.
Ah mais même les attaques comme ça, je peux les parer avec ça. Oh non, c'est trop trop fort. Même les attaques genre des ultra lasers, je peux le parer avec ça. Oh, il va me flash. Okay. Les renforts sont arrivés. Coucou. Aïe. C'est quand même plus simple que le Kushala, t'as le roi, Kaora, c'est mort. Hein. Bonne nuit. Tu fais dodo ? Oh, bah, mon chat m'a réveillé. T'es... couché. Ah, déjà, lui, tu peux bien le taper au sol. Donc, ça aide bien déjà. Ouais. C'est pour ça que le couchage, j'ai préféré prendre la morpho parce que le marteau, j'ai un peu galéré, je pense. Quatre heures et quart, je vais le recevoir en mail. Voilà. Bien cher, là. Tout dans la bouche. Ah. Faire quelques brasses. Mmh. Faut les victimes qui place. Kore ni te shuryou desu. Kanpeki na soryou datta na. Sugata agiru ze. Même pas besoin de me soigner avec lui. Je sais qu'il y a, il y a des polycos qui soignent aussi, ça peut être bien ça. Ah ben le mien c'est du feu je crois. Oh, le retour du Kusha à Taora et Théostra, ça ne me plaît pas, ça. Après, c'est de faire la quête, tiens. Alors, je pense que je vais devoir supprimer le jeu. Fais la victime. On l'a bien baisé, il lui reste 26% de sa vie. Hein. Ah oui, ouais, de suite que comparé au dragon ancien. Hein. C'est clair. C'est plus la même. Hein. J'ai même pas besoin de déguiser, bon, en tout cas. Tu sais, parce que les armes de Kamoura, elles ont un bon aiguisage. Hein. Les petits poissons qui passent de temps en temps et qui te mettent des buffs, là, ça fait plaisir. Ça. Ouais, ça aussi, c'est bien, ça. Oh. J'avais jamais vu faire ça, tu vois. J'ai vu mettre des flashs, mais le truc est gros comme ça. Oh. Il veut ton cul. C'est moi qui aura le sien. Il est si enculé. Philippe! Vérifie que je te bute! Je te bute, enculé! Philippe! Oh le bâtard! Ah, mais je vais faire dodo aussi. Voilà.
C'est quoi ce gros hurlement? Vas-y, petit chat. Réveille-moi, petit chat. Mais putain qu'il est con, ce chat. On le tue, lui. On le tue, lui. Le reste. Bon, il reste plus que 9%, donc... Je me fais victimiser, là. Il reste 0,3 coups. Ouais. Une pichenette et il mourrait. Nouveau record de taille max. Tiens, tiens, oh, tiens. Oh, Barrio, c'est pas toi qu'on voulait. Oh non, 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 mais, ouais, non, mais surtout que là, on comment dire, on est déjà occupé là. On est un peu occupé, ouais. Là, oh, ça va, il nous a pas vu. On est caché. Et là, il va nous ressauter sur la tronche. Ça va nous faire bizarre. On a fait comme Bear Grylls, on s'est mis dans le cadavre du mec. Dans le cadavre de l'animal. Indétectable. Fais la victime qui brosse. Ouah, je viens de me rendre compte que j'ai dit dans le cadavre de l'animal quand même. Oui, t'inquiète. Il est 4h15. Pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Ouah. Déjà, il est là, c'est déjà bien. J'ai même pas relevé en plus. Hein. Ouais, bah ça va, ça va. Pour je suis pas dire. Seul du coup, ça. Oh, mais c'est toi. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, toi. T'es nouveau dans c'est ce que j'allais dire. Mais non, on voit plus en soi, là. La famille, les amis. Mon tapis, mon tap. Ah, je te brûle. Il fait du feu, lui. Oui, il fait du feu. Il a toujours fait du feu. Je sais pas ce qu'on dire qu'il faisait du feu. Je crois qu'il faisait du poison. Mais... Ah, tu viens de dire que c'est un pouké-pouké, là ? Tu viens de l'insulter, en fait. Hein. Quoi ? Ma mère est un pouké-pouké ? Bon, ça, il y a un peu comme une autruche, aussi. L'enfance, ça pète dans le sol. Ah, mais... C'est fou, il est bourré ou quoi? Mais j'en suis sûr, monsieur, je l'ai pas pu. Regarde où, oh, tu m'ennuies. Et des bons dégâts, lui, hein. Ces raids, elles sont pas terribles, lui, hein. À qui? Oh, monstre. Prends des gros 50 avec des attaques normales, là. Après, c'est un monstre qu'on rencontre dès le début du jeu, donc du coup... Ouais, bah oui, tu l'as dans la première zone, je crois qu'on l'a déjà fait, lui. Il a déjà perdu quasiment 50% de sa vie. Après, c'est peut-être ton arme, aussi, hein, qui est plus efficace contre lui. Oh, un grand Baggy. Ah, il y a Baggy le clown. Trop bien, Baggy. Au début, j'aimais pas ce personnage, et avec le temps, j'ai appris à le kiffer. Moi, j'en suis pas au moment où il est encore badass, là. Pour le moment, c'est encore un peu une petite merde. Il est jamais badass, Baggy. Oh, à la fin, quand même, quand il... C'est un gros naze, Baggy. S'appelle quand il a la croix guild et tout, ça, il est quand même un peu plus badass. Ouais, mais c'est une fraude. Ouais, ouais, oui. C'est la fraude ambulante, Baggy. On faudrait que je passe par l'étape aiguisage un peu. Mais... C'est pas m'aiguiser. Ah, ça va, tu peux. Là. T'as le temps d'aiguiser comme ça. Timing. Hop. Ah, bah, j'ai même pas eu besoin de relever. Mmh.
Aïe. Ouh, il m'a mis une patate. Il est peut-être un peu énervé de se faire casser la gueule. Je le mange comme les autres, d'accord. Il se fait molester depuis tout à l'heure. Oh, le Barrios là qui va casser les couilles. Vas-y Barrios, attaque éclair. Ah merde, il est plus là. Merde. On serait à côté de Barrios, quoi, connard. Là, faut y me bouffer le cul. C'est le retour du bourré. Il s'écoule vraiment comme un gros porc. Ouais, il est vraiment ivre mort. Ah, on peut le capturer. Tu veux le capturer ou tu veux le tuer? Bon. Et putain, arrête de marave là. Hop, ouais, on va au moins capturer un. Tu m'as mis des coups là ce coup-ci. Tu m'as fait tomber deux fois. Attends, je vais te montrer. Alors qu'avant, tu m'avais jamais fait tomber par terre, mais là, t'as réussi à me faire tomber. Je sais pas. Franchement, c'est mystérieux ça. Ouais, c'est mystérieux le fait de taper ses aliens dans celui-là. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Mais dans World, c'était pareil. Hein. Après, je pense que tu peux moins te faire taper par les autres. Parce que du coup, quand tu fais des combos, après, si on est 4, faut vraiment que chacun se place à un coin du monstre, parce que sinon, tu te casses la gueule. Heureux, j'ai bouffé pour un vilain gentil de pâtes, ça fait du bien. Ouais, mais des pâtes, mais quel type de pâtes hein. Ça, c'est quand même important. Hein. Je pense que selon la personne qu'on est, on mange un certain type de pâtes. Il n'y a pas de mauvais type de pâtes. Il n'y a que des pâtes. Hein. Moi, je suis plutôt team coquillette, hein. Simple, efficace, hein. Pas cher. Hein. Moi, je serais quand même plus team spaghetti, mais bon. Ah non, mais oui, spaghetti. C'est un peu basique quand même. Parce qu'après, il y a tellement de types de pâtes qu'on connaît pas aussi. Mais... Coquillette avec du fromage râpé parce que j'avais la flemme de faire des spaghettis. Quand je fais des spaghettis, à chaque fois, c'est pour tout un régiment. Ouais, doser les pâtes, c'est quelque chose, hein. Spaghetti, à chaque fois j'en ai pour. J'en fais une casserole, j'en ai pour 3-4 jours. Faut les peser. Moi je les pèse pas. C'est ce que je commence à faire moi. Moi je les pèse pas parce que comme ça, du coup, ma femme elle est obligée d'en manger. Et si elle en veut pas, je suis oh, t'inquiète. Je vais pas gaspiller. C'est la technique des champions, ça. C'est ça. Demain, faudrait que j'essaie de m'amuser à faire les quêtes là. Ce serait dommage de gâcher. Avec la planète et tout ça. Et... Ah, Barrios. Ouais, faut le capturer. C'est une quête de capture. Hein. Et après, normalement, on aura fait toutes les quêtes RC6 du coup. Enfin, toutes les quêtes où on a des objectifs à faire. Mais je crois RC7, il y en a encore quelques-unes. Ah, tu vois, rien que pour le fait qu'il n'y a pas cette putain de musique là, je me recasse sur l'autre île. Voilà. Oh bah attends. Oh merde, je suis parti. Ah oui, my bad. Pourquoi j'ai plus la quête hein. Ah bah je suis pas. Ah bah t'es parti sans moi du coup. Enfin, je suis parti tout seul. Bravo, j'arrive. Il y a plein de trucs pour lui, du coup. Je crois que je dois le buter, le Barrios. Ah, oh, mais tiens, il y a des pièges électriques qui sont fournis avec. Ouais. Tu crois que les enfants qui n'ont pas à manger gâcheraient des pâtes? Non. Je dois leur rendre hommage. Ah, putain, moi, c'est... Ma fille, elle m'a sorti un truc que j'ai jamais sorti à mes parents, mais que j'avais pensé tellement fort.
Et je lui dis à ma fille, je vois, tu sais qu'il y a des petits enfants qui meurent dans le monde, le fameux, tu sais. Ouais, voilà, qui meurent de faim. Tous les parents, ouais. Et ma fille me fait, ouais, eh ben, on a qu'à leur envoyer par la poste. Ouais. Sale gosse, voilà. En plus, je crois que je l'ai déjà sorti à mes parents quand j'étais gamin. Oh, y a du loot. Vous pensez que tous ces joueurs qui n'ont pas de loot ne rêveraient pas de l'avoir? Je peux pas gâcher, il faut le prendre. Bah, sinon, on peut pas leur envoyer par la poste. Je peux pas leur envoyer par la poste, sinon. Il est gros, lui, putain. Ah oui, il est bien costaud comme Barrios. Je pense que va y avoir un record de taille max là. Ouais, je pense, ouais. Il est bien costaud, il a bien mangé la cantine. Oh bah attends ma mère. Mais il a bien mangé Shanks, hein, là. Belle cantine. J'ai même pas eu le temps de sauter, de mettre une potion. Vous avez remarqué que tout le temps c'est les autres qui meurent et pas moi. Ouais, t'as l'expérience. Qu'est-ce que je te dis? C'est de trouver des excuses là. On est pas mal occupé, il y a toujours de la place. Bonsoir. Insectoglobe, j'ai pas le merci beaucoup, Bambedo, pour le raid. Bienvenue à vous, 7. Bambedo. Bonsoir. Bienvenue. Attendez, j'essaie de survivre et d'envoyer le SO. Shanks, fais diversion. C'est le seul truc que je sais faire. C'est bon, le SO est envoyé. J'ai oublié qu'il vole. Je suis encore une fois. Salut Kish! Ouais, attends. J'ai l'air là! Ça farme, ah oui, ça farme grave. Là, on fait toutes les. Non, parce que là, du coup, elle va se servir de ça, la prochaine fois où elle est imposteur, là, t'inquiète. Vous avez vu comment j'ai fait un saut stylé? Oh, il s'en va! Ouais, t'en fais une. En tout cas, il est bien vénère lui, hein. Tu sais quoi, je vais mettre un piège. Parce que t'en as un, toi aussi, piège électrique. Ouais, j'ai un piège de faux, c'est un électrique, j'ai les deux. Ouais, parce que t'as aussi le piège électrique qui est fourni. Ouais, du coup. Moi, je vais balancer un piège, comme ça, on utilisera le tien. Ouais, du coup, ça farme, hein. Ça farme tranquille, on fait toutes les quêtes secondaires, comme ça, c'est fait. En même temps, ça me fait récupérer des compétences et je fabrique moult morpho-haches. Non ! Moult morpho-haches et marteau. Ça y est, il est choqué. Il est choqué de voir Artemis. Bonsoir Artemis. Merci beaucoup pour le raid. Une nouvelle fois pour la confiance de Barbado. Petit lurk de Ké. T'as vu Ké? Eh oui, j'ai créé un truc exprès pour le lurk. Et j'ai fait pareil pour le bonjour et le au revoir Ké. Quand vous dites bonjour avec les points de chaîne, ça fait apparaître un petit truc comme le lurk. Et vous voyez, là, voilà. Au revoir. Au revoir. Après, il m'ennuie à bouger, lui. Merci beaucoup pour ton lurk. Bonsoir, mais normal, je suis un hunter à minimum compétent. Parce que tu as fait l'examen de hunter, Artemis. Examen hunter. Putain, mais on a les mêmes rêves, tous les deux. Après, moi, je suis beaucoup YouTube. Hein, donc... Moi aussi. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles, alors quand je fais rien, j'ai toujours une vidéo. C'est une expédition sec. Oui, c'est retake. Je vais mourir encore, hein. Je te sauverai. Attention, il te regarde méchamment. Ah, bah, je crois qu'il... En vrai, je suis depuis le début, mais dans l'ombre. Bah, maintenant, tu pourras le signaler. Ah, vas-y, vas-y, putain. Tu pourras le signaler comme ça. Incroyable, hein. En tout cas, merci beaucoup, Ké. D'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver... Petite parenthèse, donc n'hésitez pas à aller voir Mr. Bombero qui vient de nous raid.
tout comme Marcolo, qui est toujours présent sur le stream. La semaine prochaine, on fête les 1000 follow sur la chaîne, parce qu'on y est presque. Ce sera le mercredi 29. Vous aurez à gagner pendant toute la soirée, toutes les heures, deux jeux. Il y aura du Mortal Kombat, du Batman et d'autres jeux. Donc, n'hésitez pas à venir. Combien ? Et on fera toutes les heures, deux jeux. Vous pourrez le gagner via des tirages au sort et des quiz qui seront postés sur la chaîne. Et puis voilà. Et on fera la découverte de Bloodborne en même temps. Et je pense que je ferai et Monster Hunter et Bloodborne en parallèle. De quoi ouais, j'écoutais pas. À mon avis, Bloodborne, c'est pas que t'auras plus envie de jouer à Monster Hunter, mais je pense. Bloodborne, c'est vraiment quelque chose. Non mais tu sais, je pense que je ferai du Bloodborne. Après, j'avais déjà un tout petit peu joué à Bloodborne dans ma folle jeunesse, mais je n'avais jamais, je suis jamais allé bien loin. Pourtant, j'adore les Souls, mais tout comme Dark Souls, je n'étais pas assez prêt pour le faire. Donc, je connais déjà un tout petit peu. Oh, il est chiant. Mais là, du coup, je pense que je ferai du Bloodborne sur les gros streams à 23h30. Et tout le reste, ce sera du Monster Hunter. Ah oh bah ouais, c'est ce qu'il faut. Je me dis ça. De quoi j'écoutais pas. Mais la semaine prochaine, Artemich, le mercredi 29, on fait le stream spécial 1000 follow. Parce que là, on y est presque. Donc, on y sera même très certainement avant le stream. Faut pas hésiter à venir parce que du coup, on fera une découverte Bloodborne ce soir-là. Plus toutes les heures deux jeux à gagner. Il y aura du Mortal Kombat, il y aura du Barrios dans ta gueule, il y aura du Batman et d'autres jeux, je ne me souviens plus. C'était un bundle qui était disponible sur Humble Bundle et qui est parti aujourd'hui. Donc, du coup, je vous ferai gagner tout plein de lots. Il y a des quiz, il y a des tirages au sort. C'était un quoi ? Un Humble Bundle. Vous connaissez pas Humble Bundle ? Ça s'écrit H-U-M-B-L-E. Et Bundle, comme Bundle. J'ai entendu autre chose. C'est bien sympa, bah ouais, c'est bien sympa. Et puis du coup, moi, ça me permet de vous faire gagner plein de jeux, tout en ne me faisant pas dépenser 200 balles, quoi. C'est un modèle qui est parti aujourd'hui. Mais Humble, je suis un beau depuis 2020. Ah oui ! Ah oui, tu connais, du coup. D'ailleurs, j'ai vu que sur le Humble Bundle, il y avait Monster Hunter Rise et Sunbreak qui étaient disponibles. Je verrai si je peux prendre un Monster Hunter en plus du bundle que j'ai pris. Soit je prends un bundle et je vous fais gagner plus de jeux. Soit je prends en plus, je pense, Monster Hunter Rise que je vous ferai gagner. Mais je pense que je ferais gagner juste Monster Hunter Rise sans le DLC parce que ça commence à chiffrer sinon. Ah bah, j'ai même eu le partenariat pour le stream. Ah ouais ? On peut avoir des partenariats avec eux, je savais pas ça. Faut pas oublier qu'on doit le capturer, hein. Tu as pas offert un vrai MH sinon Jean World. Mais il est très bien Rise. Il est différent de World. Après ça semblerait plus logique vu qu'en ce moment on fait un Rise que j'offre à Rise. Ah, en gros si un viewer clique dessus et achète, tu touches une commission. Ah, un peu comme DL Compare en fait. Hein. Non, c'est ça. Ah, ça serait plus intelligent que je passe par un Humble Bundle. Ça m'intéresserait plus ça. Ah, je me renseignerai pour faire ça plutôt que de passer par DL Compare. Hein. Parce que c'est plus fiable eux que. Et puis en plus, j'imagine qu'ils peuvent te filer des clés aussi. Ouais, mais tu vois, sur Instant Gaming, faut ça. Ah non, c'est pas DL Compare, c'est Instant Gaming. Voilà, ok, je voulais dire.
Sur Instant Gaming, je l'ai. Oui, mamie chère, pendant que je parlais. Réveille, réveille, réveille. Oh oh. Non. Cours. Là, c'est un bel partenaire, il me semble. Il faudrait que je me le mette sur un. Sur un. Comment ça s'appelle? Sur idée de stream, encore un truc à regarder. Est-ce que quelqu'un peut le mettre sur idée de stream? Pépé! Pépé, chaque fois le pauvre, je l'appelle que pour mettre des trucs. Tiens. Oh, on peut le capturer. Moi j'ai utilisé déjà mes pièges du coup. On a pas eu le temps. Nouveau record de taille. Ouais, ouais bon, c'est bien costaud. Le humble partner. Faudrait que je regarde. Y'a pas de doute, y'a pas de doute. Je l'ai mis sur le Discord. Merci. Oh, oh. J'ai eu deux gènes de Wyvern. Putain, j'ai que de la merde. Oh, ce soir, le loot n'est pas présent. J'ai le temps pour une petite dernière pour la route. C'est moi qui choisis. Allez. C'est moi, il m'en reste. Ah oui, manier le marteau. Putain, je l'ai pas faite celle-là. Oh, ça va, elle va être simple. Oh, j'ai pas la compétence du marteau. Alors que je joue marteau. C'est à devenir marteau. Moi j'ai été déçu. L'extension, c'est les mêmes animations pour la bouffe. De quoi dans. C'était dans Go aussi. En Sunbreak, c'est. Non, Sunbreak, c'est différent. Ouais, c'est des Dango, mais c'est un train qui te les ramène. Ouais, mais c'est des Dango, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors on a quoi, Barotte et Pouké Pouké. Nion. Nion. Tu. Ah oui putain, c'est lui le Barotte là. Ah, ça tombe bien parce que le Barotte. Donc toi au marteau tu vas te régaler. Ouais, et en plus j'en ai. Je crois que j'ai des. Je sais pas si c'est le baron novice qu'il faut que je me fasse ou le baron d'expert, mais je sais que j'ai besoin de ses compos. Moi j'ai décidé de venir à pied. C'est bon pour la santé, tu sais. T'es pas toujours obligé de prendre la voiture. Annie. Bon, j'avoue que c'est long par contre. Ça y est, je suis là. Soit il était dans World aussi. Non, je me souviens que je l'ai fait lui. C'est l'un des premiers monstres que tu fais, je crois. Super, il m'a dit. Il m'a défoncé. Oh, il prend bien cher au niveau du cul aussi. Il aime pas trop les coups dans le cul. Non. Il aime pas les suppos. Ça c'est typiquement le monstre pour moi au marteau. Oh. Tchou tchou. On se bat contre un train ou quoi?
C'est choupi. Allez, c'est reparti. Bon, je t'attends là, frérot. Mais il fait un peu comme les hippopotames en fait. Hein. Les hippopotames ils font des bennes. En fait, c'est un peu pareil. Hein. On peut lui péter la tête à lui. Oui. Ah non. On peut avoir un scalp de Barros. Un gros hippo. J'avoue, c'est un gros hippo. Il court pas trop loin. Capturer si tu veux. Tu veux qu'on le tue ou qu'on le capture hein? Comme tu veux. Bon, on le tue là. Ouais. Ah, c'est l'heure du bain de boue. Vraiment dégueulasse. Ouais. Oh non, putain. Non, reviens. On aurait dû le capturer. Ouais. Ils vont plus courir, là, bien si. C'est un mauvais, là, c'est bon. Putain, enfoiré. Oh là, il va plus rien, là. C'est pour mon nouveau sac à main. Oh, putain. T'as les cris de monstre, moi, ils me... Je dois... Ils sont souvent tombés, ouais. Moi, ouais. Moi, ça m'arrive pas beaucoup. Ça doit... Toi, tu dois avoir... C'est un dame gauche, je crois que... Ouais, je pense, ouais. Qui doit faire ça. Oh bah je vais... Il va me tuer. Ma stun là. Bah mais toi, Shansuku. Non. Putain, je suis pas mort. Non. Je te protégerai de mon corps défendant. Merde, moi aussi, mais non. Laisse-moi tranquille. Il nous fait plus galérer qu'autre chose, du coup. Il se venge parce qu'on s'est moqué de lui. Oh mais putain mais il me déglingue là. Ouais. Ah ça va. T'as un truc de pour un soin avec ton chat si tu veux. Il fait des étincelles le tab. Il a mis les doigts dans l'emprise. J'ai léché l'ampoule. Hein. Cuirasse de Barros. Hop. Voilà, et un petit scalp. Ensuite, prochaine étape, le Puké Puké. Il est au même endroit que l'autre tout à l'heure. Oh, il est tout petit, Puké Puké. Oh, il parle minuscule. C'est un bébé. Tu veux vraiment tuer un bébé? Moi je sais pas mais... Alors, c'est moi qui ai plus la notion de sa taille de base mais... Il me paraît tout petit. Il est ridicule.
Il est petit celui-là quand même. Ouais, bon, c'est pas. C'est... Il est après, il dit. Rappelez. Hein. J'ai pris le bout de la queue. Limite, quand t'es debout, tu fais sa taille quoi, genre. Il est pas très grand. De toute façon, les Pookie Pookie, c'est pas forcément très grand, mais alors lui. Non, ouais, mais celui-là, il me paraît bien petit quand même. Oh, bah, tiens. Peut-être une couronne d'argent, ça. Oh là là, mais quel enfer! Là, ils sont plus grands que d'autres. Ouais, je sais pas. Et que déjà, j'ai découvert tout à l'heure que je pouvais, que tu peux courir quand tu te soignes. Oui. Là, je l'ai découvert tout à l'heure, moi. Après 45 heures de jeu. Ah, mais tu sais, des fois, tu vas encore découvrir d'autres trucs, même après 30 heures de, après 30 heures de plus. Hein. Parce que moi, ça fait que depuis le début, en fait, quand je me soigne, je marche. Donc je suis plus facilement tap-up, quoi. Oh bon là t'es dans un couloir mon pote. Tu vas te prendre tous les murs là. Oh, pourquoi t'es parti aussi loin? Tu connais les auto-tamponneuses? Ah. Oh, il faut que c'est vraiment un monstre du début hein, parce que lui ce qu'il prend. Ah bah oui. Puis il est tout petit. Ça me fait de la peine limite de le taper. Regarde ton visage. Tu vois bien que cette abomination ne doit pas vivre. Tu vois bien qu'elle souffre. Elle souffre. Ça serait lui rendre service que de l'achever. Cette racine qui pop là. Hein. Comme il a pris cher. Hein. Non, bon, il a déjà plus que 15% de sa vie là donc. Tu veux le capturer ou pas? Bon, allez. Non, faut l'achever. On m'a dit, hein. Il fait pas honneur à son espèce. Allez, meurs. Oh putain, comment on lui a dégringué sa race. Par contre, la caméra, quand t'es comme ça, là, c'est dégueulasse. Hein. C'est chiant. Les commandes elles sont inversées. Okay. Mais tu quand sais tu qu'en plus. Tu vas à droite, tu vas à gauche en fait. Tu sais qu'en plus tu peux les dépecer pendant la cinématique là. Ouais, je sais. Ils sont légèrement plus grands quand même de base, pas deux fois non plus, mais il manque un truc. Ouais, c'était un petit. Hein. Yaaaaaah! Ouais, ouais. Ça aurait été une bonne soirée de chasse. Bah ouais. Bon, si je sais le faire, hein. Bien. Ça aurait été bien cool ce soir. Comme tous les soirs, Monster Hunter, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment le jeu de la détente. Hein. Oh bah oui. C'est rouge, j'aime. J'ai compris, je peux aller me faire foutre. C'est bon. C'est bon le jeu. Est-ce que j'ai de quoi fabriquer mes trucs? Bon, du coup. Ah oui! Je peux faire ça. Encore. Il me reste deux quêtes. Il me reste plus que deux quêtes à faire. Hein. Enfin, deux quêtes avec des quêtes dedans. Il y en a une où faut tuer trois monstres. Faut tuer une Racienne, un tigresse et l'araignée. Là. Ah, mais je l'ai faite cet après-midi, celle-là. Elle a l'air bien vénère, celle-là. Je l'ai faite cet après-midi. Et moi, il me reste plus que les deux là et après, j'aurai fini. Ouais, pour les experts, en tout cas. Il me reste encore plein. Mm-mm.
Il m'en manque encore tellement pour les marteaux. La plaque d'Almildron, ça va me faire chier. Grove de Zinogre Plus. Griffe de Zinogre Plus, ça va, ça c'est rapide. Il y a tellement. Croc d'Anjanas, j'ai presque tout. Ah, il me faut une gemme. Oh la loose. Ah le salaud. Oh putain, je vais devoir en bouffer des Anjanas. Hein. Le Barrios, il faut que je le fasse au niveau novice, je crois, aussi. S'il manque une pointe... Le Barrios, on le rencontre à novice, il me semble. Ouais. Oui, effectivement. Il faudrait que je me le farcisse aussi. Beaucoup, je vais te laisser boire. Beaucoup d'armes. Mais merci beaucoup. Je te souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir été là, d'avoir tenu jusqu'à 5h du matin. Ouais, ça va. Tu m'auras bien tenu compagnie. Hein. Allez, des bisous tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne ciao, vous écrivez ça. Bonne nuit. Bonne salut, salut. Et pour nous aussi, il est l'heure qu'on se quitte. Ne me quitte pas. Mais là, c'est l'heure du dodo. Donc du coup, je vais vous envoyer chez qui ? Bon. Qui ai-je de disponible? Je pensais que c'était l'heure du duel, moi. Bon, c'est l'heure de dormir, surtout. C'est l'heure de faire un gros dodo. Hein. Je vais vous envoyer... Il y a encore sur ça? Il n'y a toujours pas fini? C'est pas possible. T'as le doudou qui fait le jeu de la taverne, hein. Bah tiens, allez. Direction chez Doudou. Donc je vous laisse, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Je vous envoie chez notre cher doudou de compétition. Demain et après-demain, il n'y aura pas de stream l'après-midi. Peut-être vendredi, on verra si je peux. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Demain, la suite des aventures à 2h30. Jusqu'à 5h, attendez. Je crois que je commence à choper la crève. Et si vous voulez, la semaine prochaine, faire le gros stream, c'est à 23h30, mercredi 29. Avec des lots à gagner. Oh là là, découverte de Bloodborne. Et le live spécial 1000 abonnés. Allez, je vous laisse. Oui. Je suis en train de mourir. Bonne soirée. Ciao. C'est mes... Bah, on va vite sur la route. Moi, je me garde sur les pistes de course.